quitter aussi. C'est parti, slammer de l'ombre à la maison, on écoute ça. Écoutez déjà la mélodie. Les choses se passent dans l'ombre. Slammer de l'ombre. Mesdames, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Laissez-moi vous célébrer. Vous célébrer avec amour, passion et affection. Mais calibrer à vous sans aucune hésitation. Libérer en vous toute mon attention. On peut le faire en même temps. Hein. Ouais. Mets-toi à l'aise. Un clin d'œil particulier à ces braves créatures. Celles qui très tôt entament la journée malgré la conjoncture. Afin que les assiettes soient pleines et mises à table. Afin que des estomacs soient pleins et que tiennent des hommes capables. Je m'adresse aux femmes. Des femmes de Guinée, d'Afrique et du monde. Des femmes piétinées par des hommes sataniques et immondes. Des femmes fascinées par des victoires chaque seconde. Alors grâce à vous, on connaît l'amour. Ses fanfares et ses tambours. Grâce à vous, on a vu le jour. Ses grands phares et son humour. Grâce à vous, on oublie la mort. Le hasard et les temps lourds. Moi, j'aime les femmes. C'est pour vous que je crève l'écran. C'est pour vous que je sors les crocs. C'est pour vous que je porte les gants. C'est pour vous que je boxe la vie à l'arracher les dents. Chaque mot va vous caresser comme un piano pour créer de belles mélodies d'été. Des mots assez forts pour peaufiner la positivité dans toute sa masculinité. Aujourd'hui, j'ai envie de slammer les femmes. Pour toutes les femmes de Guinée, toutes les femmes d'Afrique, toutes les femmes du monde. Pour toutes les femmes de Guinée, toutes les femmes d'Afrique, toutes les femmes du monde. Si c'est vrai qu'avec le temps les plus belles roses se fanent, alors les plus belles roses seraient les hommes et plus jamais les femmes. La femme se bonifie au fil du temps. Elle devient plus belle intérieurement. La femme est un papillon virevoltant que l'homme ne pourra apprivoiser avant son enterrement. J'ai la force d'un homme, certes, mais je ne pourrais être une femme. Je ne saurais couler du lait et du sang en même temps et continuer à vivre comme si rien n'était. Je ne saurais être une brave mère partout au printemps, en automne, même hiver, en même temps, en été. L'homme peut être riche, fort et le plus puissant, mais c'est la femme qui a su l'allaiter. Alors, je répète que grâce à vous, on connaît l'amour, ses fanfares et ses tambours. Grâce à vous, on a vu le jour, ses grands phares et son humour. Grâce à vous, on oublie la mort, le hasard et les temps lourds. La femme a toujours le pouvoir, car le pouvoir est une femme. Ces femmes qui s'aiment, des hommes qui clament. Ces femmes qui s'aiment, des hommes qui s'arment. Des âmes qui s'clament, des hommes qui planent pour elles. Rien que pour elle. Elles qui se battent même quand la vie les a clouées à terre. Spéciale dédicace à toutes ces mères qui sont devenues célibataires. Parce qu'un homme s'est tiré et supportant plus son rôle de père. Celles qui deviennent encore bien plus fortes dans le rôle impair de la mère-père. C'est pour cela que moi, j'aime beaucoup les femmes. Les femmes de Guinée, d'Afrique et du monde. Les femmes piétinées par des hommes sataniques et immondes. Des femmes fascinées par des victoires chaque seconde. C'est pour vous que je crève l'écran. C'est pour vous que je sors les crocs. C'est pour vous que je porte les dents. C'est pour vous que je boxe la vie à l'arracher les dents. Ce soir, je n'ai qu'une envie. Une seule forte envie. Celle de slammer infiniment les femmes. Toutes les femmes du monde. Maximum d'applaudissements pour cette exclusivité. Maximum d'applaudissements parce que c'est un homme qui s'exprime. Maximum d'applaudissements parce que c'est un homme qui est même censé mettre la femme en valeur, lui mettre en confiance. Merci pour la plume, merci pour ces mots. Et nous, chez nous, on adore dire ici que là où la puissance de la musique s'arrête, commence celle des mots. Et t'as trouvé les mots pour pouvoir magnifier ces femmes. En tout cas, merci pour l'exclusivité que tu viens de nous offrir. Ouais. C'est une première diffusion radio, télé. Je tenais que ça soit toi qui le fasse. Hey, bon, je me mets dans ma peau de vrai, j'ai dit. Le pays va pas dormir aujourd'hui. Après, c'est pas que parce que j'aime ta tête, c'est parce que je vois que tu as une grande audience, tu fais bien ton taf.
Donc c'était important qu'on le qu'on fasse les qu'on accorde à César la valeur qu'il mérite, quoi. Tu sais, il y a l'audience de l'émission, d'accord. Ouais. C'est comme par exemple Grand Corps Malade qui vient dans une émission et qui dit bah écoute, je vous offre l'exclusivité, quelle que soit l'audience. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la prod de Bad pour vous annoncer déjà la couleur de ce qui va se passer? Ouais. 9 au 11. Exactement. Merci. Digue Blacky, sers-toi de ça, s'il te plaît. C'est maintenant, je préfère me lever. Toi, je ne doute pas. Au cas où tu laisses les mots derrière, c'est pas un problème. On va régler ça autrement. Ouais, c'est ça. Et écoute ça, c'est messieurs Barry à la maison, mais vous le connaissez plus, l'ange de la bonne humeur. Puisque de belles choses se passent dans l'ombre. Écoute ça. Le slammeur de l'ombre. Alors ce slam, c'est pour parler de l'excision. Vous avez remarqué qu'il est très doux et il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur. On essaye de peindre un peu le scénario, ce calvaire que les femmes vivent tous les jours. Tu vas devenir une femme, lui dit-elle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme? S'interroge-t-elle. Ce matin-ci, sa mère ne dit plus rien. Elle la tient juste par la main, avancée silencieusement, pour aller faire d'elle une soi-disant meilleure femme. La cérémonie lui a été pourtant décrite joyeuse. La réalité est toute différente, c'est une joie où personne ne sourit. Toutes les émotions sont donc mises en veilleuse et les mines sont sereines et serrées. Elle est apeurée, mais sa peur ne fait peur à personne. Elle est écœurée, mais son cœur ne colle au cœur de personne. Elle était si heureuse, mais ceci ressemble à une bonne mauvaise heure qui sonne. Puisqu'il n'y a personne qui le fait, vaut mieux s'auto-rassurer, non? C'est ma propre mère qui m'a confié à ma propre tante. Il n'y aura sûrement rien d'amer, non? Elles vont sans doute m'aider à surmonter une nouvelle pente. C'est à là que des tonnes et des tonnes de questionnements qui prônent et qui trônent l'agression. Des visages étranges comme celui-ci, ce visage d'une vieille, ce visage-ci comme une abeille la pique et la réveille. Dans ce regard, il n'y a aucune pitié, aucune compassion. Quelque part, Kadi est un simple gibier sous l'autel de la tradition. Et sur une natte, elle est impuissamment allongée. Et d'un signe violent de la main, on lui impose ceci. Ouvre celle de droite. Ouvre celle de gauche. Laisse faire la lame. Un coup vers la droite. Un coup vers la gauche. Aujourd'hui, tu deviendras une femme. L'endroit se transforme en un théâtre de femmes éteignant la flamme d'une bougie. Et c'est là que des choses atroces se passent et personne ne réagit. Ceux qui sont censés réagir sont eux-mêmes au cœur de la régie. Seul son corps est en train de réagir. Énorme vacarme où tout le monde s'exprime en même temps. L'oreille qui siffle, la bouche qui souffle, les jambes qui souffrent, les tempes qui s'enflent, les poumons qui gonflent, les yeux qui coulent au rythme des larmes des yeux, et les pieds et les mains qui se retournent vers les cieux. Le cœur, lui, qui bat, c'est une trahison, un coup bas. Et c'est là qu'une fois de plus revient dans sa tête cet acte répugnant. Qui dit ceci, ouvre celle de droite, ouvre celle de gauche, laisse faire la lame. Un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Aujourd'hui, tu deviendras une femme, mais rien à foutre. Elle est née femme, la plus belle créature du maître des cieux. Faut-il donc avoir fait une erreur pour se faire rectifier par des soi-disant pieux? Faut-il faire recours à la mutilation sexuelle féminine pour garantir un avenir radieux? Faut donc faire recours aussi à l'accusation de la tradition pour faire perpétuer un acte si barbare et odieux? Aujourd'hui, Kadi est effectivement devenue une femme. Une, pas comme les autres. Une femme hantée par des cauchemars, des infections et des kystes. Une femme qui en a marre de ses hémorragies internes qui l'habitent. Une femme qui a horreur de tout ce qui se passe dans son corps parce que rien n'est plus normal. Une femme qui se pose des questions et qui se sent trahie par ses pères. Une femme qui sent ses droits de jeune fille et de femme violée par ce père. Elle se pose tellement de questions qu'elle se dit un jour, est-ce qu'elle deviendra mère? Mais de Kadi, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a plus de 200 millions sur Terre. Il y
plusieurs caddies quelque part. Et à chaque fois qu'un homme essaye de se rapprocher de la pauvre, revient une fois encore cet acte ignoble dans sa tête. Ouvre celle de droite. Ouvre celle de gauche. Laisse faire la lame. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que nous serons tous ensemble le 11? Ils vont venir net. Au revoir, mon ami.